du grand siècle, vécut un homme de bien. C'est l'expression qu'il employa enfant, un jour que son père lui demandait à quoi il pensait. Je pense à Dieu et à être un homme de bien. Quelle simplicité! Si peu de mots pour dire ce que c'est qu'être chrétien. Penser à Dieu, être un homme de bien. C'est vrai qu'il était simple, François, et qu'il aimait la simplicité. Il fut pourtant contemporain des controverses théologiques les plus embrouillées, qui avaient adopté le raffinement subtil de l'art renaissant du XVIe siècle. Mais lui, homme simple et savant, les étudiait sans affectation. Il fut pourtant le témoin des guerres de religion qui mêlaient dans la poudre des canons les griefs politiques et les rancœurs personnelles, les motifs religieux et les intérêts marchands. Mais lui prêchait simplement la vérité avec la paix. Il fut pourtant prince évêque de Genève, fréquentant la cour de France et la haute société, côtoyant les puissants et les sages de ce monde. Mais lui, passant au milieu d'eux, parlait comme un enfant. Avec la simplicité d'un enfant, mais avec éloquence. Avec l'innocence d'un enfant, mais avec élégance. Avec la grâce de l'esprit d'enfance, sans laquelle on n'entre pas dans le royaume des cieux. Dans un pays ensanglanté, au milieu d'esprits tourmentés, il vécut simplement de la simplicité même de Dieu. Et il la diffusait autour de lui, et il la recommandait. Il n'y a nulle si bonne et désirable finesse que la simplicité. Ici, ce sera bien pour faire nos agapes. Alexandre vient-il ? Bien sûr ! Et avec François ! Enfin, si ce dernier veut bien laisser un peu ses livres. Oh, l'ange du collège ! Il ne pense qu'à ça. Un jour, je lui dirai,
Nous étudions pour vivre, mais toi, mon pauvre ami, tu vis pour étudier. Ce n'est pas raisonnable. Étudier ? Étudier ? Rien qu'entendre ce mot me rend presque malade. Je respecte l'étude. Si bien que tu n'oses à peine la toucher. Moque-toi, camarade. Tiens, en les attendant, veux-tu boire quelque chose ? Allez. Mademoiselle. Messieurs, que voulez-vous ? Un verre d'hypocrase. Et pour moi, du vin rouge. Nous mangerons après. Nous serons quatre en tout. Très bien. De l'hypocrase et du vin. Du vin rouge ! Ce n'est rien. Il est ivre. Ces messieurs vont manger. Veux-tu mettre une nappe ? Vous étiez à la fête ? Oui, c'était fabuleux. Des jongleurs, des costumes... Les cortèges surtout ! On a vu de ces bêtes ! Incroyable ! Des bêtes ? Des bœufs, c'est la coutume. Ils étaient déguisés. Regarde qui voilà. Tu en as mis du temps. Et François n'est pas là. Justement, j'essayais, monsieur Déage, de convaincre François... d'aller au carnaval. Rien à faire. Il refuse. Qu'a-t-il donc ? C'est mal. Il a qu'il est beaucoup trop sérieux pour son âge. Et puis, ces derniers temps, il est silencieux. Même triste parfois. Et toujours soucieux. Et que dit le révérend ? Et que veux-tu qu'il dise ? Il essaie comme moi de le sortir un peu. Ça fait presque un mois qui n'a quitté sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Seul le bon Dieu le sait. Lorsqu'on l'a invité à la fête aujourd'hui, il a baissé les yeux, bafouillé quelques mots contre la vanité, et puis s'est retiré. Tu parles d'un joyeux ? Plus tard, monsieur Déage l'a vu à son logis et lui a demandé comment le récréer. Il a répondu que pour se récréer, il voulait étudier. De la théologie. De la théologie ? Pauvre vieux, ça va pas ! Il faut qu'il boive un coup, hein ! Oh, je vois du vin clairé ! Il ne manquait que ça. Messieurs, pardonnez-moi. Vous voyez comme il est saoul. Pourriez-vous le sortir ? Oh, s'il n'y a que ça. Allons-y, mes amis. Et oula, dites donc, 3, 1, 2, 3, pour mes amis buvons. Voilà sujet à de terribles angoisses. Vous allez voir
quel point il aimait le bon Dieu. Car il disait, dussé-je être damné, je veux le servir tant que je vis, et je veux continuer d'espérer. Vous voyez, à la doctrine la plus désespérante qui soit, il opposait intérieurement, de toutes ses forces, une sourde espérance. Et c'est la Sainte Vierge qui chassa une fois pour toutes cette tentation du désespoir. Mes amis, ne désespérez jamais. Ce n'est pas le péché le plus grave, le désespoir, mais c'est le plus dangereux. Désespérer, c'est descendre en enfer. Si j'étais moi aussi destiné à l'enfer, si pour manifester sa justice infinie, Dieu m'avait réprouvé, moi qui veux si bien faire, je me verrais damné. Mon Dieu, quelle ironie! Si j'étais condamné à l'éternelle peine, je ne pourrais voir Dieu, ni les saints, ni les anges. Et je n'entendrai pas les divines louanges que la cour céleste adresse à notre reine. Si la porte du ciel m'est à jamais fermée par un décret divin, que je suis misérable, privé de sa bonté, pourrais-je encore aimer? Ô terrifiant supplice, ô peine insupportable! Affection. Serais-je donc privé de votre dilection? Ne jouirai-je jamais de votre volupté? Ô tabernacle saint, maison de Jésus-Christ, vouée à la géhenne et aux flammes et aux cris, ne passerai-je donc jamais de ce saint lieu jusque dans la demeure éternelle de Dieu? Ô Vierge, au cœur si doux, plus qu'un rayon de miel, en enfer, nul ne brille et nul ne s'émerveille. Ne vous verrai-je jamais en haut du ciel, belle comme la lune, au reflet du soleil? N'aurai-je jamais de participation à l'immense bienfait de votre rédemption? Ô mon Seigneur Jésus, qui êtes mort pour moi autant que pour les autres! Eh bien, quoi qu'il en soit, et quoi que vous ayez décidé, ô mon Dieu, j'espérerai toujours et dirai vos louanges, malgré l'inspiration de tous les mauvais anges, car vous êtes très saints et miséricordieux.
si j'étais condamné à l'éternelle errance. Et ne puis vous aimer, hélas, en autre vie. Faites qu'au moins je vous aime en celle-ci. Ô Dieu de mon salut, mon unique espérance. Enfin, puisqu'en enfer, personne ne vous loue, si donc je le mérite, et si destiné, au moins que je ne sois pas avec les damnés qui crachent votre nom, le temple et le bafou. Qu'on n'a jamais ouï dire qu'aucun qui ont demandé humblement votre protection ait été à ce jour par vous abandonné. Souvenez-vous, Marie, reine puissante et sage, qu'on n'a jamais ouï dire qu'aucun de vos sujets, avant de comparaître afin d'être jugé, réclamant à genoux vos glorieux suffrages, ait été à ce jour par vous abandonné. Souvenez-vous, Marie, qui êtes notre mère, qu'on n'a jamais ouï dire qu'aucun de vos enfants qui ploie sous un péché que rien ne défend et qui demande pardon par d'instants de prière, ait été à ce jour par vous abandonné. Et le cœur animé de cette confiance, Sainte Vierge Marie, modèle d'espérance, apportant le fardeau de mes fautes à expier, accablé, gémissant, je me jette à vos pieds. Mère de la sagesse, et du verbe incarné. Oh, ne méprisez pas cette pauvre prière que je vous offre ici, prosternée humblement. Mais veuillez l'écouter bien favorablement et daignez l'exaucer. Ô Marie, ô ma mère, Marie, c'est le trésor caché de la foi catholique. C'est la mère de l'espérance, la mère de l'Église, la médiatrice de toute grâce, la consolatrice des affligés et le refuge des pécheurs.
François trouva en elle le plus puissant remède à la tentation du désespoir. La Sainte Vierge Marie était intervenue à temps, car un an plus tard, les raisons de désespérer se multiplièrent. De 1587 à 1589, la guerre des trois Henri fit rage, qui opposèrent Henri III, roi de France, Henri de Navarre, allié des protestants, et Henri de Guise, chef de la Ligue catholique. Complot, assassinat, exécution, intrigues en tout genre bouleversèrent la France. Et les répercussions du conflit furent si importantes à Paris que les cours à l'université furent suspendus. Inquiet, le seigneur de Boisy fit revenir François en Savoie, avant de l'envoyer à l'université de Padoue en Italie. Docilement, François y acheva ses études de droit. Élève modèle, il suscita toutes sortes de jalousies. Un soir, plusieurs étudiants l'attaquèrent à l'épée, dans le but de le désarmer, de le rouer de coups. Mais c'était sans compter l'habileté de François, rompu à l'usage de l'épée. Et vlan, en quelques minutes, il les fit tous fuir. Ces mauvais garçons cherchèrent leur revanche. Ils soudoyèrent une courtisane afin de faire succomber François aux attraits du plaisir. Attirés dans un appartement, sous le prétexte d'une rencontre avec un grand professeur, il se retrouva en tête à tête avec une dame. Celle-ci se présenta comme la femme du professeur, lequel devait arriver sous peu. Mais, bien entendu, le professeur tardait à se manifester. Alors la dame se mit à coqueter, minauder, faire des manières, et prendre des attitudes qui ne laissèrent plus aucun doute sur ses intentions. Ah, les attraits du plaisir, qu'ils sont puissants. Mais François, qui avait offert à Dieu sa chasteté, savait la réponse à ce type de suggestion. Coupez court. La courtisane s'approcha, enjôleuse, et flan. Aïe! Mais ce n'est pas moi la courtisane! Mais c'est pour l'exemple, pour qu'ils comprennent! Oui, eh bien là c'est bon, ils ont compris! Et comme la courtisane insistait, il lui cracha au visage! Ils ont compris! Poursuivons! Où en étais-je? En 1591, le 5 septembre, François fut brillamment reçu à l'examen du doctorat en droit. Ayant ainsi satisfait aux ambitions paternelles, il revint en Savoie pour confier à ses parents un désir qui grandissait chaque jour en son cœur. Devenir prêtre de Jésus-Christ pour la Sainte Église catholique. François reçut avec une gratitude mêlée de contrariété les nombreux cadeaux offerts par son père. D'abord, une magnifique bibliothèque remplie de livres de droit. Puis, le titre seigneurial de Villars-Roger, acheté exprès pour lui. Mais l'ambition paternelle pour son fils aîné ne s'arrêtait pas à l'obtention d'un diplôme de droit. Bien décidé à assurer sa succession, le seigneur de Boisy s'arrangea pour que François rencontrât une jeune fille en tout point ravissante et bien-née. Le plan du seigneur de Boisy était pensé jusqu'au moindre détail. Mais c'était sans compter le dessein de Dieu, car lui, son plan, il le réalise toujours. Ce château de Sallanches est en tout point charmant. Regardez ce plafond et ces grandes fenêtres. Cela n'est-il pas beau? Oui, mon père, vraiment. En ce temps de printemps où l'on voit tout renaître, c'est un ravissement. Ah, le joli printemps!
C'est le temps des amours. Et c'est le temps des fleurs. Ah, mes pauvres parents. Voulez-vous mon bonheur? Si vous saviez combien vous perdez votre temps. Que disiez-vous, François? Oh, rien, je méditais. Tiens, j'aperçois notre hôte, Monsieur de Bellegarde. Mes respects, chère madame. Apportez le goûter. Cher monsieur de Boisy. À ce cher Bellegarde. Et votre fils François. Mes félicitations. Vous êtes précédé d'une réputation en tout point élogieuse. Merci, cher monsieur. Mes chers amis, peut-on faire homme plus gracieux? À propos, il se fait que Françoise, ma nièce, est ici quelques jours. Ah oui, tiens, votre nièce. Une fille charmante. Je suis sûr que François s'entendra avec elle. Faites-la donc venir. Seigneur, entre vos mains, je mets mon avenir. Gardez-moi de tout mot équivoque. François. Oui, ma mère. Venez donc, votre col est défait. Je vais chercher Françoise. Mettez-vous à vos aises. Espère-t-il vraiment que je me sente à l'aise? Voilà. Ainsi noué, c'est du plus bel effet. Voici ma nièce, fille de Mirebel, Madame de Boisy, le seigneur de Boisy, et leur fils, François. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Le temps paraît choisi pour une promenade. C'est une riche idée. Laissons ces jeunes gens discuter librement. Allons-y. Cher Antoine, voulez-vous nous guider? Volontiers. J'ai refait récemment les grands parterres nord. Vous verrez, c'est très beau. C'est très beau. Voulez-vous une tasse? Bien volontiers, merci. Vous
l'éclaircie. Il grêlait tout à l'heure. Ah oui? Les giboulées. Ah oui, les giboulées. Très chère demoiselle, vous êtes gracieuse, fort aimable et très belle. Mais mon cœur est épris de l'amour du bon Dieu. Je l'ai fait en venant ici qu'obéir à mon père. Sincèrement, vous me voyez confus. J'espère que vous pardonnerez mon peu de courtoisie. Je n'ai pas le désir de fonder un ménage. Pierre de Grailly. Venez, sortons d'ici. J'ai besoin de marcher. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Patatre ! Voilà que le projet du seigneur de Boisy tombe à talon. Et ce dernier n'était pas au bout de ses surprises. François ne fut pas insensible au charme de Françoise Suchet de Mirebel. S'il renonça au mariage, ce ne fut pas par mépris de la créature, mais par amour du Créateur. Du reste, il écrira à l'un de ses confidents que Françoise méritait meilleure partie que le sien. Le seigneur de Boisy était un homme d'une grande détermination. Aussi ne se laissa-t-il pas décourager par cette entrevue si peu concluante. Sur le trajet du retour, il fit de nombreux reproches à son fils et lui manifesta vivement sa déception. François, plein de respect pour son père, attendait le moment pour lui demander l'autorisation d'être un homme d'église. Il accepta même une seconde visite au château de Sallanches, qui, comme on peut s'en douter, ne fut pas plus réussi que la première. Si son père était sourd ou, du moins, trop enfermé dans ses projets, sans doute, le cœur de sa mère se montrerait-il plus compréhensif. François lui confia son désir de prêtrise. D'abord réticente, celle-ci se souvint du jour qu'elle avait fait quelque 25 ans auparavant. Le dimanche 21 juillet 1566, lors d'une exposition du linceul de Notre Seigneur à Notre-Dame de Liesse d'Annecy, elle avait demandé qu'un fils lui soit donné, qui servit la foi catholique et se consacra au service des autels. Le souvenir de ce jour acheva de convaincre Madame de Boisy. Dès lors, il ne s'agissait plus que d'obtenir l'autorisation paternelle. Le cousin de François, Louis de Sales, était dans la confidence. En secret, il fit attribuer le titre de prévôt de l'église Saint-Pierre de Genève à François, persuadé que le seigneur de Boisy se laisserait convaincre plus facilement par un titre que par un simple désir de prêtrise. Avec la mère de François, il fit également confectionner par avance un habit ecclésiastique. Bref, tout était prêt, mais le plus difficile restait encore à faire. Je n'y comprends plus rien. Que veut notre François? Toutes les occasions qu'il a de se marier, il les laisse filer. Les plus belles qui soient semblent l'indifférer. Veut-il me contrarier? Non, monsieur, j'en suis sûre. Et je le tiens de lui. Il vous vénère autant qu'on le doit à un père. Il viendra vous parler, et je crois qu'il espère que vous le comprendrez. Ah, le comprendre, lui? Mais lui, me comprend-il? Deux fois, je l'ai conduit pour rencontrer Françoise Suchet de Mirebel, une fille bien née, pieuse, gracieuse, belle. Mais François n'en veut pas. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est l'ancien soupirant qu'elle a pris pour mari. François lui a trouvé toutes ses qualités et n'a rien manqué à la galanterie. Je ne parle pas ici de dignité. Je parle de mariage et de son avenir. Nous devons assurer notre succession.
Calmez-vous, mon ami. J'entends François venir. Nous reprendrons tantôt cette discussion. Entrez, François. Mon père, je souhaite vous parler. Et je veux vous entendre. Je vous écoute. Allez. Mon père, je conçois un sentiment puissant auquel mon cœur se porte autant que ma raison. Le ciel entend ma voix. Ô Dieu compatissant, vous faites le bonheur de toute la maison. Eh bien, parlez, François. Mon père, je viens vous demander une chose de prix. Si vous me l'accordez, c'est la dernière fois que je vous sollicite. Une chose de prix. Le voilà qui m'invite à céder quelques biens en vue de convoler. Après tout, c'est heureux. Je n'avais plus d'espoir. Si le parti convient, me voilà consolé. Je serai généreux. Mais puisqu'il faut pourvoir aux besoins de ses frères, je dois le modérer. Concluons cette affaire. Bien, François, vous pourrez demander cette chose, mais qu'elle nuise à vos frères et difficilement je vous l'accorderai. Mon père, nullement. Qu'est-ce que vous désirez? Quelle est donc cette cause dont vous faites mystère? Qu'il vous plaise, mon père, que je laisse le droit pour être homme d'église. Voilà ce dont je rêve. Sachez que le Saint-Père me concède en sa voix la charge de l'église Saint-Pierre de Genève. À compter de demain, j'en serai le prévôt si vous le voulez bien. Les bulles que voici, que monsieur mon cousin et monsieur de Rogny m'ont donné ce matin, confirmeront mes mots. Abandonner les lois? Et pour quel bénéfice, monsieur François de Sales et de Villars-Rouget? Qui vous a mis cela dans la tête, mon fils? Laissez cet idéal qui n'est que passager. Et moi, qui espérais que vous seriez ma main, que vous m'assisteriez au temps de mon déclin, pour une prévôté, vous laisseriez le droit? Vous vous retireriez sitôt d'auprès de moi? Vous avez consacré tant d'années à l'étude. Vous avez le barreau et bientôt le Sénat. Et vous voulez troquer votre vie d'avocat contre une vie de clerc pleine d'incertitudes. Prenez garde, François, car la jurisprudence ne saurait pardonner une trop longue absence. Si vous l'abandonnez, à coup sûr vous perdrez. Prenez donc quelques mois pour mieux délibérer. Croyez-moi, l'élection de la vie consacrée demande plus de temps, de croix et de prières. De plus, avez-vous mesuré qu'à ma disparition, vous servirez de père à tous les orphelins que je fais en mourant? Que deviendront vos frères à qui je manquerai? Vous leur devez le soin qui sied à notre rang. Je vous le promets, père, que je vous servirai toujours assidûment. Je promets que mes frères auront mon dévouement pour tout le nécessaire. Mais il n'est plus question qu'ici je délibère, car ma résolution est mûre en cette affaire. Depuis ma tendre enfance, a grandi dans mon cœur un attrait pour l'église et pour les saints autels. Et si je me ravise, il reprend de plus belle. Je ne puis faire offense à l'appel du Seigneur. À Paris, j'ai offert à Dieu ma chasteté. Quand j'ai dû à Padoue mener de grands combats, je me suis confirmé dans cette volonté, alors que des jaloux voulaient me mettre à bas. La maison de Lorette a enflammé mon cœur à la persévérance. Depuis, notre Seigneur montre sa volonté par d'étranges incidents. Tenez, je repartais avec Monsieur Déage du Sénat de Savoie après mon admission. Tous avaient applaudi à mon discours d'usage. Le jury m'accordait ses félicitations. Je ne voulais en rien mépriser cet honneur. Je ne désirais que servir le Seigneur.
Je chevauchais, pensif, dans le bois de Sona, quand mon cheval hennit et me désarçonna, et je vis mon épée sur le chemin étroit, former sur son fourreau une sorte de croix. Et ceci se produisit non pas une ni deux, mais par trois fois, et toujours sur le sol poussiéreux se dessinait la croix. Aucune coïncidence n'arrive par trois fois et de cette manière. Ce signe de la croix, c'était la providence qui répondait enfin à toutes mes prières. Aussi, je vous supplie très humblement, mon père, permettez-moi cela. C'est tout ce que j'espère. Pourquoi lui ? Pourquoi moi ? Ô Seigneur notre roi, n'avez-vous pas assez pris de fils à leur père ? Et prenez-vous toujours ce en qui ils espèrent ? J'attendais la couronne, et vous m'offrez la croix. Faites donc de par Dieu ce qu'il vous plaît de faire. Je ne puis m'opposer à ce vœu plus longtemps. Cela vous passera, peut-être avec le temps. Mais si lui a fait ce choix, qui pourra le défaire ? Aussi je vous dis oui, malgré mon affection. Puisse Dieu vous donner mille bénédictions. Le père de François s'était battu contre la vocation de son fils. Il s'était battu et débattu comme un beau diable contre l'appel de Dieu. Il s'était bien battu de toutes ses grandes forces. Et il était vaillant. Mais son adversaire était plus grand que lui. C'était Dieu lui-même, celui que les psaumes appellent le fort, le vaillant des combats. Le père de François fut vaincu. Mais il ne fut pas terrassé, car c'était un homme de bonne volonté. L'Esprit de Dieu n'écrase pas ce qu'il aime. Il assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Le père de François fut vaincu, mais il ne fut pas écrasé. Après avoir été vaincu, il fut convaincu. Pourtant, cela ne se produisit pas tout de suite. Peu de temps après l'ordination de François, le 18 décembre 1593, jour béni entre tous, le seigneur de Boisy et quelques amis de la famille lui proposèrent de solliciter le titre de sénateur, selon eux très conciliable avec celui de prêtre et de prévôt. « Je veux être prêtre et rien que prêtre !» répondit sèchement François. Oh, combien en avait-il vu de ces prêtres ? Qui couraient les salons, choisissaient soigneusement leur fréquentation, étaient d'abord ceci ou cela, et par ailleurs prêtre. Comment peut-on être prêtre par ailleurs ? Être administrateur de ceci, régent de cela, et par ailleurs prêtre. Et voilà qu'on lui proposait de devenir sénateur en plus d'être prêtre. Combien de temps faudrait-il alors pour qu'il devienne sénateur et par ailleurs ? Combien de temps faudrait-il alors pour qu'il devienne sénateur et accessoirement prêtre ? Il y avait là sans doute bien de la vanité, mais surtout un désordre. Oui, c'est cela, un désordre, car François n'était pas insensible aux honneurs et il ne tenait pas l'ambition pour rien, au contraire, mais il voulait y mettre de l'ordre. Le prêtre agit au nom, par l'autorité et en la personne du Christ. Peut-il y avoir un plus grand honneur qu'être un homme ? Peut-il y avoir une plus haute ambition que celle de pardonner au nom du Christ ? Peut-il exister une plus haute ambition que celle d'offrir à Dieu le sacrifice saint ? Sénateur ? Oh, c'est beau, sénateur ! Et ça fait bien, sénateur ! Et c'est chic ! Mais un sénateur peut-il élever vers le ciel le Saint-Calice ? Un sénateur peut-il prononcer ces paroles ? Per ipsum et cum ipso et in ipso ? Un sénateur peut-il redonner à Dieu tout honneur et toute gloire
les siècles des siècles. Décidément, vouloir être prêtre et rien que prêtre, ce n'était pas pour François une résignation. Ce n'était pas de l'abnégation. C'était tout simplement le plus beau et le plus grand des services. C'est tout simplement la plus haute mission que l'on puisse recevoir au ciel et sur la terre. François voulait ordonner sa vie à ce don inouï de l'amour de Dieu. Et il voulait aussi fuir la vanité. Car il le savait, le disait et le répétait. L'amour propre ne meurt qu'avec le corps. Et il éprouva lui-même à de nombreuses reprises ce qu'il appelait les dépouilles du vieil homme. Tenez, par exemple. Vous voyez ce ciseau ? Croyez-le ou non, mais lorsqu'il fallut passer à la tonsure, François, qui avait de beaux et blonds cheveux, éprouva une répugnance si grande à se les faire couper, lorsque la lame s'approcha de ses cheveux. Oh non ! Tu vas pas recommencer ! Je ne suis pas sans François ! C'est pour l'exemple ! Oui, bien là, c'est bon, ils ont compris ! Enfin, vous voyez quoi ? Il éprouva une vanité étonnante pour quelques boucles. Et il le reconnut en ces termes. Le démon n'a oublié aucune partie de mon âme pour m'éprouver. Et il m'a tenté jusqu'au bout de mes cheveux. François était comme ça, tout divin et très humain à la fois. Le jour de son premier sermon, il éprouva le sentiment le plus humain du monde. Et d'une force incroyable, il eut le trac. Mais alors vraiment, le trac à se cacher et à se remettre au lit. Il dut s'encourager vivement avec la parole de Dieu pour aller prêcher. Il se répéta que l'amour parfait bannit la crainte, selon le mot de saint Paul, pour enfin parvenir à monter en chair, où il parla avec tant de conviction de la réalité de la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, que l'assemblée fondit en larmes. C'est drôle, non ? Qu'est-ce qui est drôle ? Bah, qu'il ait eu la trouille ! Moi, un grand saint qui a la trouille, ça me le rend très sympathique. Parce que moi aussi, des fois, j'ai la trouille. Enfin, lui, s'il avait la trouille, quand il était en chair, il parlait comme personne. Alors que toi, ma pauvre, tu as juste la trouille. Eh ben, ça fait déjà un point commun que j'ai avec Saint-François. Nah. Oh, ne te fâche pas, je plaisante. Que disions-nous ? Ah oui, c'est vrai, le trac. Ce qui est étonnant, c'est qu'il eut encore longtemps le trac. Alors que sa réputation de prédicateur le précédait bientôt partout. Tenez, par exemple, écoutons sa harangue pour la prévôté. C'est le sermon qu'il donna lors de la prise de ses fonctions de prévôt fin décembre 1593. Imaginez un peu, il fait froid. Un monde fou se presse dans l'église Saint-François. Monseigneur de Granier a voulu accueillir en personne le nouveau prévôt. Il y a là les pères cordeliers, tout le chapitre canonial. On vient de fêter Noël. Le chanoine de salle s'avance et se tient debout devant les stalles. Mes vénérables pères et parents, mes amis, je redirai souvent cette belle prière qui a chassé mes craintes, et dans mon cœur ami, le courage et la paix qui me manquaient hier. Je me dois d'observer ici la tradition. Les préfets des provinces, en prenant leurs fonctions, formaient de grands projets, et signalaient par là qu'ils allaient débuter par quelques coups d'éclat. Voici donc l'entreprise immense et difficile qui nous demandera de bien rudes travaux. Nous reprendrons Genève aux âmes indociles pour que votre assemblée y siège de nouveau. Ce retour espéré, si longtemps reporté, doit exciter les âmes et enflammer les cœurs. Il sera, je l'espère, et quel qu'en soit l'auteur, adopté en ce jour à l'unanimité. Hier, l'objection gagnait mon fort intime, et je me demandais si j'étais légitime. Déjà, vous avez eu des prévôts dévoués. Pourquoi réussirais-je où d'autres ont échoué? Moi, un simple soldat, inexpérimenté,
honoré d'une charge et d'une dignité paraissant à mes yeux par trop prématurée. Dans un si grand projet puis-je m'aventurer? Vous pourriez alors me rappeler ces vers. Quel étranger ici s'installe sur nos sièges? Et voilà qu'à Genève il veut tenir un siège. Un pareil jugement ne serait pas sévère. Le poids dont m'accablait cette charge inouïe allait me terrasser. Le Seigneur m'entendit. Tout à coup, ma terreur s'est presque évanouie et ma confiance en Dieu s'en est trouvée grandie. Je me souvins que Dieu, pour confondre les forts, a choisi les infirmes. Voilà mon réconfort. Et ce qui me confirme en cette dignité, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai rien mérité. La charité sincère exige des plus grands qu'ils soient les plus petits. Et si la prévôté pour le gouvernement me donne autorité, le chanoine de salle doit être au dernier rang. Comme on lit en saint Paul, la charité peut tout, qui ne passera pas et l'emporte sur tout. C'est par la charité, plus forte que le glaive, que nous ferons trembler l'enceinte de Genève. C'est par la charité qu'il faut la recouvrer. C'est par la charité qu'il nous faut l'envahir. Seule la charité des cœurs purs, des cœurs vrais, nous donnera le droit de la reconquérir. Je ne proposerai à vos mains généreuses ni le fer de l'épée, ni la poudre odieuse, dont l'odeur sulfurée et la saveur mauvaise ne font que rappeler l'infernale fournaise. Je n'organise pas de ces camps tapageurs où de bruyants soldats errent sans foi ni loi. Je ne veux que le camp des armées du Seigneur, combattants rassemblés sous son unique loi. Et nous y entendrons, vaillants compagnons d'armes, au matin les trompettes entonner ce doux chant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, ce sera notre alarme pour que nous combattions jusqu'au soleil couchant. Votre fidélité doit à Dieu, à l'Église, à la patrie, à vos autels, à vos foyers, de saisir l'occasion pour que se réalise l'étendue de ce plan que vous entrevoyez. Avec pour seule épée et pour tout bouclier, la prière et le jeûne, nous livrerons bataille et nous ferons vaciller, chanceler, s'effondrer l'imposante muraille. Souvenez-vous, l'amour est fort comme la mort. Temples, images et statues, l'hérésie détruit tout. Et malgré cela, Genève tient encore. En avant, mes amis, que Dieu soit avec nous. Encore un dernier mot, car il faut achever. Vivons chrétiennement de la règle de Dieu. Soyons bien réguliers pour être enfants de Dieu, non seulement de nom, mais encore des faits. Ce qu'on entendit ce jour-là fut un véritable appel aux armes. Non point les armes de fer, mais les armes de la charité. Cet appel au combat de la charité, François le renouvela de nombreuses reprises. Et comme il le dit un jour, Dieu déteste la paix de ceux qu'il a destinés à la guerre. Une mission inlassable commençait alors, dont la harangue pour la prévôté fut le premier acte. François fonda la confrérie des pénitents de la Sainte Croix, qui s'engagèrent à prier, à faire des processions et à ne jamais manquer de réciter le chapelet 3 fois par jour. Ils prêchaient en tout temps et en tout lieu,
appelant à la conversion, à la charité, à la patience, à l'humilité. Il priait sans cesse pour la conversion des calvinistes, sans qu'on n'entendît jamais de lui un mot blessant à leur endroit. « Qui prêche avec amour, disait-il, prêche assez contre les hérétiques, même s'il ne dit un seul mot d'eux. » Toutefois, la ferveur de ce saint apôtre n'était pas du goût de tout le monde. De nombreux ennemis se dressèrent contre lui, colportant de fausses rumeurs, l'injuriant publiquement. François supportait tout cela humblement et priait pour ses ennemis. Mais pour les calvinistes, il était temps de se débarrasser de ce papiste trop zélé. François devint la cible de plusieurs attentats. Entendez la voix de mes supplications lorsque je crie vers vous. Quand je lève mes mains vers votre sanctuaire, que je fuis les actions de ceux qui font le mal, qui nuisent à leur prochain. Ma foi, je le tuerai et porterait son corps en triomphe à Genève. Allons, approche encore. Comment est-ce possible? L'aurais-je donc manqué? Dieu, après ce coup-là, je cesserai de boire. Scélérat, je ne peux te manquer. Cette balle est pour toi. Évite-la pour voir. Mais il ne bronche pas, c'est une diablerie. Voilà que je le tiens au bout de mon fusil. Et l'homme est toujours vif. Quelle est cette cabale? Est-il sourd? Il n'entend ni le coup ni la balle siffler à ses oreilles. Plus de vin! Plus de vin! Cette fois, mon gaillard, tu es fait par Calvin. S'il est mon bouclier, il vient sauver mon âme et refleurir ma chair. Par mon chant, je louerai le Seigneur des armées. Il était là, venez! As-tu rêvé, l'ami? Personne ici non plus. Il était juste ici! Tu bois trop, camarade! Où est-il, ton curé? On est venu pour rien! Il est là-bas! Hein? Tirez! Oh.
Hola, monsieur de Salles. Nous venons du village. Impossible d'y entrer pour parler religion. Ils ont formé là-bas un conseil de sages qui interdit toute réunion sur la foi catholique. De plus, on vous accuse d'être un sorcier du diable, de vivre avec des femmes, d'enlever des enfants et de perdre les âmes. Sur vous, les noms d'oiseaux et les calomnies fusent. Le diable est en colère, alors réjouissons-nous. C'est que nous avons mis des bâtons dans ses roues. Et quant aux villageois, s'ils ne veulent écouter, peut-être liront-ils. Prenez donc ces feuillages. Et avec les villageois, veuillez les recopier en nombreux exemplaires. Nous irons placarder le tout sur les volets, les portes des maisons. Crévin Dieu, ces gens-là vont atteindre la raison. Hein? Hey, on ne jure pas devant un religieux. On ne jure pas devant qui que ce soit. Pardon, monsieur de Salles. Dites-le au bon Dieu. Ah, je dois le confesser. Il m'arrive parfois de blasphémer aussi. On n'y pense pas. C'est comme une habitude. Comme on crache par terre. Il faut la corriger. Ça oui, mais comment faire? Il n'est de mauvais plis qui ne se mettent au pas. Donnez-moi ce bâton. Celui-là au milieu. Celui-là est très bien. Maintenant, répétez le mot de tout à l'heure. Et lequel? Crévin Dieu? Aïe, 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 Crévin Dieu! Aïe, 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 arrêtez! Vous voyez, mes amis, lorsque vous blasphémez, vous flagellez bien plus notre Seigneur Jésus, lui déjà si meurtri. Lui qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Je ne le dirai plus. Aidez-vous donc ainsi. Chaque fois qu'un de vous jurera désormais, donnez-lui quelques coups. Eh bien, c'est radical, hein? Nom de Dieu. J'ai bien dit. Oh que si, tu l'as. Attends-moi. Merci beaucoup. Par là. Et Colombe Muras, ici.
la presse. Et vous, n'oubliez pas, les affiches grand format, c'est pour les places publiques. Seules les affichettes vont sur les portes. Ah, ce n'est pas pour rien que le grand Saint-François sera nommé patron des journalistes. Avec lui, qu'est-ce qu'on a pu en passer sous la presse? Des sermons, des exhortations et tant d'autres écrits. Il était de ceux qui s'abusaient des techniques de leur temps. Dès qu'il put se procurer une machine à imprimer mécanique, il s'employa à former ses anciens copistes à la reproduction à grande échelle et il en fit des typographes et des imprimeurs hors pair. Au début, c'était à l'imprimerie de Chambéry qui me faisait imprimer son hebdomadaire catholique. Et il courait partout, lui aussi, pour distribuer ses écrits. Ces années-là furent sans doute les plus exténuantes de la vie de François. De la fin de l'année 1594 jusqu'à son ordination épiscopale, il fut chaque jour sur la brèche, prêchant, placardant, confessant. Il s'installa à Thonon, ville calviniste s'il en fut, dans laquelle la moindre chapelle était aux mains protestantes. Pour dire la messe, il devait quitter l'enceinte de la ville et traverser la Drance sur une passerelle de fortune constituée d'une simple planche. Là se trouvait une petite chapelle abandonnée dont il fit son église. Jet de pierre, embuscade, menacé tous les jours à Thonon, au point que son père voulut lui faire quitter la ville. François refusa de se faire escorter par des hommes en armes. Abandonné, sans réserve, à la providence de Dieu, il courait çà et là, prêchait, fit dresser des calvaires, organisait des prières au Saint-Sacrement, et n'oublia jamais, fidèle à son serment, de dire quotidiennement le chapelet. Comme le semeur de l'Évangile, il semait sans compter. Il savait qu'un autre moissonnerait. Il se nourrissait parfois de simples baies cueillies sur le chemin, s'allongeait dans l'herbe pour se reposer, quand la fatigue avait raison de ses forces. Et pourtant, si peu de conversion après tant de mois et d'années à œuvrer. Un apôtre ordinaire aurait baissé les bras devant un échec si patent. Je crois qu'il aurait voulu qu'on dise de lui qu'il n'était précisément qu'un apôtre ordinaire. Si lui était un apôtre ordinaire, que dirions-nous des autres? Qu'ils étaient très ordinaires ou trop ordinaires? C'est qu'il n'aurait pas voulu qu'on crût que cette persévérance et ce dévouement fussent des choses inaccessibles au commun, réservées à des âmes d'élite. Quand on y pense, on peut faire de même nous aussi. Mais pour si peu de fruits visibles, c'est rude. C'est vrai. Quand on y pense, on devrait faire de même nous autres. Même si les fruits tardent à paraître. Jusqu'en 1598, les convertis se comptaient sur les doigts de la main. Mais un jour, ce fut toute une famille, d'un seul grand coup, comme seul le bon Dieu sait les faire. Je suis bien désolé. Cette fois, c'est fini. Faites encore quelque chose, mon Dieu, mon tout petit. Il ne peut plus rien faire. Il est mort. Non, non, non. Vous attendiez quelqu'un? Pas que je sache, non. Voulez-vous y aller? Ah, vous, maudit papiste, vous apportez la mort! On m'a dit qu'un enfant était prêt de mourir. Un enfant? Calviniste! Un enfant du bon Dieu! Et moi, je vous défends de faire un pas de plus, ou je vous fais la peau! Si vous voulez ma peau, je vous la laisserai.
mais la très sainte Vierge veut que cet enfant vive et je dois le guérir. Il est mort, nous l'avons vu périr. Laissez-nous donc en paix et remballez vos pièges. Allez, oust, idolâtre. Madame, un cœur de mère à ce point éprouvé partage avec Marie les douleurs de la croix. Si votre religion vous fait me réprouver, écoutez votre cœur et redites, je crois. Toi, tu m'as voulu. Je m'en vais t'embrocher. Non, Germain, lâche-le. Laisse-le approcher. Enfin, tu ne vois pas qu'il essaye de... Tais-toi. Pouvez-vous le sauver, mon enfant, mon petit? Mettons-nous à genoux sur le bord de son lit. Invoquons Notre-Dame. Mon enfant, lève-toi. Redevenaient enfin sœurs catholiques. Mais les convertis furent bientôt rudoyés et chassés de leur village. Aussi, François de Sales obtint-il l'ouverture d'une banque populaire pour prêter à ces derniers de petites sommes, sans gage et à faible intérêt. Il obtint aussi du duc de Savoie un crédit pour l'installation d'une imprimerie catholique chargée d'éditer et de diffuser la vraie foi. Mais le Chablais ne pouvait garder longtemps pour lui seul un si grand missionnaire. Monseigneur de Granier le présentait déjà pour être son successeur. Il voulut le nommer coadjuteur du diocèse. Mais sachant qu'il se voyait opposé à un refus, il rusa. Prétextant le règlement de quelques questions en suspens, il envoya François à Rome. C'est ainsi que le pape en personne vint demander à François d'accepter le poste de coadjuteur de l'évêque de Genève. François n'osa refuser, mais voulut vivre le plus longtemps possible, comme le simple prêtre qu'il avait toujours été. Imaginez la joie du père de François, lui qui avait conçu pour son fils une si haute destinée dans le monde, se voyait comblé au-delà de toutes ses espérances, car son fils allait bientôt devenir prince évêque de Genève. Mais comme Moïse qui mourut avant de pouvoir fouler la terre promise, le père de François s'éteignit dans sa 80e année, un an avant la consécration épiscopale de son fils. Monseigneur de Granier mourut en 1602, de façon prématurée. Et son coadjuteur, alors à Paris, où le roi Henri IV l'avait fait venir pour prêcher à la chapelle royale,
fut rappelé en toute hâte dans son diocèse. C'est ainsi que le 8 décembre 1602, en l'église de Thorens, François fut sacré évêque de Genève. Il avait alors 35 ans. Entrez donc, mes amis. Comment vont vos clochers depuis la fois dernière? Hélas, l'hérésie court comme sur des ornières. Nous ne savons comment contrer cette infamie. Trois de mes paroissiens sont venus m'annoncer qu'ils quittaient notre église pour celle de Calvin. C'est une maladie. Combien ont renoncé à la foi catholique? Et nous luttons en vain. Qu'allons-nous devenir? Ils pillent nos églises, raillent nos fidèles, nos forces s'amenuisent, et ceux qui restent là se battent sans entrain. Nous ne pourrons tenir plus longtemps à ce train. Allons, apaisez-vous. La peur n'a rien de saint. Et dites-moi plutôt, quel art du médecin? Est-ce de s'écrier comme font les crédules « Oh Dieu, je vais mourir !» à la moindre pustule? Non. Mais c'est de juger et de discerner l'origine du mal au-delà du symptôme. Cherchez de l'hérésie la cause et vous verrez ses manifestations comme de vains fantômes. Et vous la connaissez, cette cause? Oh, oui, je crois. Monseigneur, quelle est-elle? Dites-nous, s'il vous plaît. Combien de prêtres ici disent le chapelet ou se tiennent en silence en face de la croix? Je ne parle pas des heures ordinaires qui tiennent à leur état. Cela est bien normal. Je parle d'un surcroît, d'un temps supplémentaire. Une piété sans plus, c'est le début du mal. Monseigneur, vous savez comme ils sont affairés. Ils ont les sacrements, les gens à visiter, ici à baptiser, là-bas à enterrer. Où trouverait-il donc le temps pour méditer? Ah, où trouver le temps? Voyons ça simplement. En règle générale, quotidiennement, la méditation devrait nous occuper une bonne demi-heure sur le banc de prière. Et s'il se trouve alors qu'on est très occupé? Alors dans ce cas-là, une heure est nécessaire. Oui, une heure bien pleine. Sur les monts de Judée, que fit notre Seigneur quand la foule innombrable assemblée dans la plaine le pressait de guérir? Il y priait plus d'une heure. Ah ça, oui. C'est bien vrai, il y passait la nuit. Tantôt, vous demandiez d'où vient cette hérésie. Le manque de piété certainement nous nuit, assèche notre cœur, engendre frénésie et autre agitation, mais n'est pas seul en cause. Il y a autre chose? Il y a plusieurs causes. L'hérésie fait son lit sur toutes nos carences. Et quelle est la suivante? La désobéissance. Là-dessus, monseigneur, ne vous trompez-vous pas? Aucun prêtre en Savoie n'a commis de faux pas. Nous obéissons tous, pour autant que je sache. Et aucun d'entre nous n'a délaissé sa tâche. Oh, je ne parle pas d'un franc désobéir. Je parle de ces murmures et de cette amertume qui se lient quelquefois à l'heure d'obéir chez ceux qui ne le font jamais que par coutume. Alors ils obéissent. Du moins, ils s'y efforcent. Mais ne font là que craindre la désobéissance. Or, nous devons aimer la sainte obéissance, tout faire par amour, et jamais rien par force. Sans doute, monseigneur, mais il est fastidieux d'obtempérer parfois. Songez à tous les cas où de petits travaux nous donnent mille tracas. Rien n'est jamais petit au service de Dieu. Oh, mais nous ne sommes pas des êtres insensibles. Monseigneur, vous savez, lors des nominations, on entend bien quelquefois des récriminations.
N'est-ce pas naturel et bien compréhensible? C'est un calice amer que notre Seigneur boit. Jésus a-t-il choisi le lieu de son calvaire? A-t-il choisi les clous? A-t-il choisi le bois? Et quant au Golgotha, ses bourreaux les levèrent tout en haut de la croix? A-t-il récriminé? Non, il a pardonné. Et tout fut consommé. Aussi, ne soyez pas sans cesse à ruminer. Il faut fleurir toujours où Dieu nous a semés. Ah, Monseigneur, vos paroles éclairent l'avenir. Faut dire que tout à l'heure, je m'inquiétais au vent. L'hérésie, désormais, n'a qu'à bien se tenir. Je me sens regonflé tout comme un bon levain. Voilà qui est bien dit. Et suis ce protestant. Oui, merci, Monseigneur. Attendez un instant. Comment? Ce n'est pas tout? Piété, obéissance, que nous faut-il encore? Combattre l'ignorance. Voulez-vous ramener nos frères séparés à la saine doctrine et à la sainte Église? Il vous faudra étudier et bien vous préparer. Il faut beaucoup de science à qui évangélise. Vous croyez, Monseigneur? Nous sommes bien assez. Nous connaissons par cœur tout notre catéchisme. Et quant aux huguenots, ces artisans du schisme, c'est à grands coups de pied qu'il faudra les chasser. Je ne veux les chasser. Je veux qu'ils réintègrent le giron de l'Église. Je veux qu'ils aillent au ciel. Vous prendrez plus de mouches avec un rien de miel qu'avec une barrique entière de vinaigre. Notre Seigneur avait-il des archers pour tirer sur tous ceux qui cherchaient à l'abattre? Oubliez donc vos pieds qui sont faits pour marcher. C'est avec votre tête qu'il vous faudra combattre. Mais nous avons passé l'âge des collégiens. L'Église a des savants pour les longues disputes. Nos prêtres ne sont pas de grands théologiens. Moi, j'en connais plus d'un que l'étude rebute. Et moi, je ne vois pas de grande différence entre la vraie malice et la simple ignorance. Car celle-ci offense non seulement soi-même, mais elle offense aussi la grâce du baptême et votre état de clerc. Aussi, pour mon presbytérium, je veux autant de science qu'il en peut acquérir. Il est insuffisant de faire le minimum. C'est seulement ainsi que nous pourrons guérir de cette maladie que Luther et Calvin ont portée sur nos terres. Voilà qui nous convainc. Mais il faudra aussi convaincre tous les presbytères d'acquérir à l'étude. Ils vous diront peut-être « Oui, bien sûr, Monseigneur !» Mais ils n'en auront cure. Sauf si l'attribution des charges et des cures ne dépendent plus des biens et de la renommée, mais d'une sélection résultant d'un concours. Aussi, dans mon diocèse, il faudra étudier sans relâche. Quand sera ce concours? Je vais y réfléchir, mais très prochainement. Monseigneur, il me faut vous quitter prestement. Je vous disais tout à l'heure les termes de l'Église, et je voudrais finir d'en faire l'analyse. Monseigneur, je dois partir, j'ai aussi... Monseigneur, j'ai affaire. Je ne vous retiens pas. Au revoir, Monseigneur. Au revoir, mes amis. Et bien dorénavant, pour servir votre Église, ô mon Maître et Seigneur, mon clergé sera pieux, obéissant et savant. Monsieur de Genève n'était pas de ces hypocrites dont notre Seigneur dit qu'il lit de pesants fardeaux sur les épaules des gens sans les remuer du petit doigt. S'il exigeait 3 pas de ses prêtres, c'est qu'il en faisait 10. Avant son sacre, François était descendu au château de Sales, où il avait suivi une retraite de 20 jours, commençant par une confession générale de sa vie, et au cours de laquelle il composa son règlement épiscopal, qu'il observa jusqu'au dernier jour de sa vie.
il y promit à Dieu de bannir de sa maison la magnificence des meubles et de n'y mettre que des tableaux de dévotion, de n'avoir ni carrosse ni litière, et de faire à pied la visite de son diocèse. Il se fit une loi de n'avoir que des viandes communes à sa table, à moins qu'il ne survînt quelques personnes distinguées. Il s'obligea à se trouver à toutes les fêtes de dévotion qui se célébreraient dans la ville, à regarder les pauvres comme ses enfants et à les visiter lui-même dans leur maladie. À se lever tous les jours à 4 heures du matin, puis à faire une heure de récitation des lots des neuprimes. Ensuite, il se chargeait lui-même de présider à la prière de ses domestiques. Tout le reste du temps, jusqu'à 9 heures où il lisait la Sainte Messe, était partagé entre l'étude et la lecture de l'Écriture Sainte. Après la messe, les affaires de son diocèse devaient l'occuper jusqu'au dîner. Au sortir de table, il donnait une heure à la conversation, puis reprenait les affaires du diocèse. Si celle-ci lui laissait du temps, il le consacrait à l'étude et à la prière. Après souper, il devait, pendant une heure, lire un bon livre à ses domestiques et terminer cette lecture par la prière du soir. Ensuite, il se retirait pour dire matine. Et François fit tout cela simplement, sans ostentation et dans la joie. Le souci qu'il avait des pauvres était particulièrement édifiant, mais causait bien du souci à son trésorier. Voyez plutôt. Entretiens. Venez donc, mes amis. Je vais et je reviens. Voulez-vous donc un siège ? Non, merci. Dites donc... Qui étaient tous ces gens qui attendaient avant ? Des pauvres, sans sous. Et il en vient souvent ? Tous les jours. Tous les jours ? Et on leur fait des dons ? Quand on peut. Quand on peut, mais là on ne peut plus. Oh, Monseigneur n'octroie jamais que le surplus. Alors ceux d'aujourd'hui seront venus pour rien. Où avez-vous trouvé ces chandeliers, pour rien, et ces burettes en or ? Pendant que Monseigneur était à confesser. Quelle honte, voleur! Monsieur, je vous promets que nous n'avons rien pris. Que ce que Monseigneur a voulu nous donner. Vous me dites cela car je vous ai surpris. Mais vous mentez bien mal. Allez, abandonnez votre risque butin, voleur. Monsieur Roland. Ces gaillards prétendent effrontément que vous leur avez donné bien volontairement ces deux burettes en or et ces chandeliers blancs. Mais c'est la vérité. J'ai donné tout cela. Je me sers jamais de ces burettes-là. Et quant aux chandeliers, j'espère que cet homme pourra en obtenir une coquette somme. Mais enfin, Monseigneur, ces deux burettes en or et ces chandeliers blancs valent presque un millier. Vous les distribuez comme on vide un grenier. Ils ont été offerts à Monsieur de Granier.
Moi, je les ai offerts à de plus grands seigneurs. Ces deux-là sont des gueux. Ces gueux-là sont nos seigneurs. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, cela ne vous dit rien? Si, mais tous ces petits abusent bien souvent votre amabilité et creusent largement la comptabilité. Laissez les chandeliers, mais enfin, reprenez au moins les deux burettes. Elles sont là, tenez. Je ne puis m'en servir. Voyez-vous au travers? Laquelle contient l'eau, laquelle le vin? Toutes deux sont en or, je ne suis pas devin. Vraiment, monsieur Roland, je les préfère en verre. Allons, tenez, vous deux. Reprenez donc vos biens. Saluez de ma part vos proches et vos amis. Et revenez me voir car je vous aime bien. Merci, monseigneur. Nous reviendrons. Bien sûr qu'ils reviendront. L'aumône est généreuse. Et que vas-tu trouver pour cette miséreuse? Et vous, ma pauvre amie, vous partez les mains vides. Il ne lui donne rien? Eh bien, tout compte fait, il sait se modérer. Oh, je parle les mains vides, mais grâce à vos souliers, j'aurai les pieds chauds. Vos mains grâce aux souliers. Mais, monseigneur, vos pieds. Mais ma fille, je vais vous reconduire. Avez-vous vu cela? Et le voilà nu-pied. Cela ne doit jamais, jamais se reproduire. Monsieur Favre, veuillez donner ordre au laquais d'aller renouveler toute sa garde-robe. Veuillez leur dire aussi, pour qu'on ne le dérobe, d'aller fermer l'armoire et doubler le loquet. Très bien, monsieur Roland. Ah, j'allais oublier. Oui? Pour l'amour du ciel, prenez-lui les souliers. Paire de souliers neufs et tout barricadé. Si monsieur Roland croit qu'il va dissuader monseigneur de donner encore, et sans compter, il sera bien déçu. Qu'il faut de volonté pour être trésorier d'un homme évangélique. Je préfère ma place de simple domestique. Bientôt, le Saint-Évêque publiait ses premiers écrits, fruits de sa correspondance. D'abord, l'introduction à la vie dévote, puis le traité de l'amour de Dieu. Ces livres eurent un immense succès, le premier surtout, car ils montraient la sainteté comme une exigence pour tous, à la portée de tous. La dévotion n'est pas l'affaire des seuls religieux, écoutez-le plutôt. C'est une erreur, et même une hérésie, de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. La dévotion est la reine des vertus. C'est la perfection de la charité. Elle est convenable à toutes sortes de vocations et professions, mais elle doit être exercée différemment par le valet, l'artisan, le prince, la veuve. Ses écrits firent beaucoup parler de l'évêque de Genève, et cela le contraria. Le roi Henri IV tenta à plusieurs reprises de le faire venir à Paris, disant qu'un si pauvre évêché ne méritait pas un si grand prélat. Le pape songea à le faire cardinal, et François priait pour que tout cela n'advînt jamais et qu'il restât simple évêque de Genève. Je suis savoyard de toute façon, de naissance et d'obligation. Le roi Henri fut édifié par ce refus répété des fastes parisiens et des sièges de renom. Aussi appela-t-il François de Sales le phénix des évêques, car, disait-il, c'est un oiseau rare sur la terre. À la vérité, François n'aspirait qu'à faire aimer l'amour de Dieu et à livrer le secret que le Saint-Esprit lui avait confié. Tout faire par amour. Et il voulait montrer qu'on ne peut rien faire par amour si l'on ne puisse pas à la source de tout amour, par le moyen de la prière constante, confiante et simple.
comme tous les grands saints, François cherchait Dieu comme il cherchait des amis de Dieu. Alors qu'il prêchait le carême dans la ville de Dijon, la Providence mit sur sa route une grande amie de Dieu, une femme du nom de Jeanne-Françoise de Chantal. Madame, je crois vous avoir vue assise près des stalles lors des prédications. Qui ont fait à mon âme un bien inestimable. Je vous en remercie. Remerciez le bon Dieu qui l'a voulu ainsi. Et accepteriez-vous de me conduire à Dieu ? Depuis longtemps, je cherche un nouveau directeur qui comprenne mon âme et convienne à mon cœur. Quand je vous écoutais, je me suis dit, c'est lui. Vous y verrez peut-être bien de la présomption ou de l'audace, ou bien... Non, point de présomption. De l'audace, peut-être, mais ça n'est point péché. Et d'ailleurs, j'y consens. Pour ne rien vous cacher, il me semble que Dieu m'a conduit près de vous d'une étrange façon. Vraiment ? Quelle façon ? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Passons. Commençons simplement et parlez-moi de vous. Voilà bientôt 3 ans que mon très cher époux m'a quitté pour le ciel. Et bien que le temps passe, j'en suis toute meurtrie. Je le vois partout. Est-ce la maladie ? Un accident de chasse. L'un de ses compagnons lui a tiré dessus. Il est mort peu après du coup qu'il a reçu. Pauvre enfant, quel malheur! Et sachez, monseigneur, que depuis ce jour-là, je ne puis supporter de revoir cet ami. Je le fuis et j'ai peur de ne jamais vraiment pouvoir le pardonner. Dois-je me mortifier au point d'aller le voir, lui donner mon pardon contre tout sentiment? N'allez pas au-devant du jour, ou du moment où vous le reverrez. Votre unique devoir est de prier le ciel, de n'être point tenté par l'esprit de revanche. Et s'il se présentait, tâchez d'être gracieuse, douce et compatissante, quand même vous auriez des humeurs bouillonnantes. Ce que Dieu vous fait voir en ces fortes émotions, c'est que nous nous sommes faits de chair, d'eau et d'esprit. C'est sûr, revoir cet homme vous coûtera grand prix. Mais c'est votre chemin de sanctification. Oui, ça me coûtera. Avez-vous des enfants ? J'en ai eu 6 en tout, et 2 sont nés au ciel, et 3 aînés sont grands, la dernière a 3 ans. Et où donc vivez-vous ? Au château paternel. Pardon pour ces questions, voyez, je me renseigne. Continuez, monseigneur. Souhaitez-vous rester veuve ou reprendre un mari ? Oui, je veux rester veuve. Alors il serait bon de mettre à bas l'enseigne. Oui, je suis sans doute un peu trop apprêtée. Croyez-moi, dès demain, je pourrai tout quitter.
ce que François nous a pas confié dès le premier jour à Jeanne de Chantal, c'est qu'il avait reconnu en elle la femme endeuillée, vêtue de noir, qu'il avait aperçue dans une sorte de vision prophétique quelques jours auparavant. Ce fut à la chapelle du château de Salles. Il s'y était retiré pour préparer les prédications de carême avant de se rendre à Dijon. François priait intensément et fut emporté en extase. Une première vision lui montra trois femmes, dont une veuve, qui se consacraient à Dieu sous sa conduite. Une deuxième vision l'amena devant un grand arbre, dont les branches s'allongeaient par-dessus les montagnes. Et voici qu'une femme, qui portait encore le deuil, venait à lui et voulait se placer sous sa conduite. Que pensa-t-il alors ? Nul ne le sait vraiment. Le Seigneur précisa lentement sa volonté, aussi lentement que se façonne une sainte amitié. Jeanne de Chantal menait une vie sainte, s'occupait de ses enfants et du domaine paternel, et priait à toute heure. Depuis sa rencontre avec l'évêque de Genève, tous autour d'elle avaient noté un changement remarquable. Le premier conducteur de madame, dirent ses domestiques, la faisait prier trois fois par jour, et nous étions tous ennuyés. Monseigneur de Genève la fait prier à toutes les heures, et cela n'incommode personne. Quelques années plus tard, François reçut le signe qu'il attendait pour fonder une nouvelle congrégation religieuse lors de la confession d'une de ses filles spirituelles, Jacqueline Coste. Merci, mon père. Je crois que le bon Dieu m'inspire de tout quitter pour lui. Et tout mon père aspire à délaisser le monde pour vivre en religion. Voulez-vous embrasser la vie de Sainte-Claire ? J'ai toujours pour ses sœurs la plus grande affection. Du reste, à Annecy, c'est le seul monastère. Monseigneur, ce n'est pas cela que j'espérais. Comment voulez-vous donc servir notre Seigneur ? Dans la congrégation. Que vous, vous adorez. Mais je n'ai rien prévu de tel. Non, monseigneur. Mais je le sens ainsi, au profond de mon cœur. Aussi, je vous le dis, je serai de vos sœurs. Vous me surprenez bien. Laissez-moi donc prier, car je ne sais que faire. En attendant, veuillez maintenir cette idée dans le plus grand secret. Oh oui, je le promets. Jésus demanderait que j'établisse un ordre. Est-ce là ma mission ? Serait-ce donc la clé de ces étranges rêves ? Pour votre amour, mon Dieu, j'y œuvrerai sans trêve. Et Jeanne pourrait bien mener la fondation. Monseigneur de Salles fit venir Madame de Chantal dans la chapelle du château de Salles au lieu de ses visions le 4 juillet 1607. Il éprouva l'humilité de Jeanne en lui demandant d'entrer dans une congrégation, puis se ravisant d'entrer dans une autre, puis dans une autre, ainsi de suite. Toutes les congrégations qu'il avait à l'esprit y passèrent, et Jeanne était coup sûr que Clarisse sort de l'hôpital, et ainsi de suite. À chaque fois, dans une sainte indifférence, elle répondait « Comme il vous plaira, ou encore, j'y suis prête ». Et le saint évêque vit que sa sainte fille était humble. Alors, il lui exposa son projet de fondation nouvelle. À compter de ce jour, l'établissement de la nouvelle congrégation religieuse prit une place considérable dans l'emploi du temps déjà surchargé de l'évêque de Genève. Le premier monastère fut ouvert à Annecy. Il nomma sa nouvelle congrégation Visitation Sainte Marie, afin de la placer sous la protection maternelle de la Sainte Vierge.
et d'indiquer ce qui ferait le cœur de la vocation des visitandines. D'abord, aimer et servir Dieu du mieux possible. Puis, visiter les malades, les pauvres et les vieillards abandonnés. Très vite, les vocations se firent de plus en plus nombreuses et il fallut songer à ouvrir d'autres monastères. Le 23 avril 1618, la congrégation fut érigée officiellement en ordre religieux et comptait déjà 4 monastères. Annecy, Lyon, Moulins et Grenoble. François de Sales et Jeanne de Chantal franchirent ainsi une étape décisive de leur fondation commune. La sainte vie de l'évêque se poursuivit avec une ferveur grandissante, tant il était porté par l'intercession de ses sœurs. Épistolier et conducteur d'âme, il lui arrivait de passer des nuits entières à répondre à son courrier. Pourquoi rougissez-vous? Et que cachez-vous donc? Je n'ai rien à cacher, monseigneur! Et vos mains? C'est que je rédigeais une déclaration à une fille à qui je voudrais me marier. Mais il n'y a pas de honte à vouloir se marier. C'est que je ne suis pas très fort en rédaction. J'y suis depuis une heure et je n'ai plus d'idée. Laissez-moi vous aider. Je veux bien, monseigneur. Cela vous gêne? Oh non! Au contraire. Lisez, dites-moi si c'est bien. C'est que je voudrais bien lui remettre demain. Faut-il signer Germain ou bien votre Germain? Oh, ça, nous verrons bien. Cela ne presse pas. Quand je vous revois, je crois avoir des ailes. Voulez-vous m'épouser, jolie mademoiselle? C'est bon? Non, c'est mauvais. Ça ne se comprend pas? Si, le message est clair. Mais il faut l'étouffer. Je peux dire que je l'aime, et depuis très longtemps, que je l'aime, que je l'aime. Non, là vous l'étouffez. Vous êtes impatient. Il faut prendre le temps. Prêtez-moi votre plume. Et asseyez-vous là. Aimez-vous tendrement cette personne? Oula, je ne peux plus. A-t-elle du bon sens? Oh, ça, bien plus que moi.
La connaissez-vous bien? Depuis plus de 20 mois. D'où la connaissez-vous? De la poste aux lettres. Elle portait le courrier de sa maîtresse, et moi... Vous portiez le mien assidûment. Voilà. Eh bien, demain matin, vous porterez mes lettres, mais vous prendrez en plus la lettre que voici. Vous la recopierez. Elle est bien mieux ainsi. Bien chère demoiselle, vous êtes si gracieuse quand vous portez vos lettres au matin de bonne heure. Je guette votre pas dans la rue silencieuse qui me fait chaque jour espérer le bonheur. Lorsque nous avons fait notre office commun, et rentrons sagement en traversant le pont, que vous m'interrogez et que je vous réponds. Je rêve bien souvent de tenir votre main. Ce que me crie mon cœur, je ne puis vous le dire, car tant de mots aimables accourent en mon esprit que ma langue se tait. Mais je puis vous l'écrire, de vous, mademoiselle, tout mon être est épris. Je loue le Créateur Dieu de toute beauté, qui vous a fait si douce et si chère à mon cœur. Et je voudrais marcher encore à vos côtés, demain, après-demain, tous les jours, à toute heure, avec vous et mes dieux, l'auteur de tout bienfait, contempler près de vous les merveilles qu'il fait. Alors, un jour prochain, vous me permettrez, j'espère, qu'en franchissant le pont qui traverse le fier, je m'arrête un moment pour vous tendre la main. Et je signe Germain. Et vous signez Germain. Oh, que Dieu vous bénisse, monseigneur. Je reviens à 4 heures. Comment s'appelle-t-elle? Loïse, monseigneur. C'est bien, Germain, c'est bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Et si avec ça, même pas. Pour toi, pauvre François, c'est une longue nuit qui t'attend. Oh mon Dieu, éclairez mon esprit. Tant de lettres. Seigneur. Allons, point de faiblesse. Dieu, mettez sur mes mots l'onction du Saint-Esprit. Et maintenant, la peur a chassé la tristesse. Je vous demande asile, ne sachant plus où fuir. Depuis ma conversion, je suis persécutée. Il ne leur suffit plus désormais de maudire et de me menacer. C'est pour m'exécuter qu'ils sont venus hier. Vous irez à Thonon dans la nuit de mardi, et quand le jour se lève, ne vous montrez pas trop. Je donne votre nom pour que l'on vous conduise en évitant Genève. Surtout, gardez confiance en cette épreuve amère. Je confie votre vie à notre Sainte Mère.
veux vivre pour Dieu et je veux être sainte. Dites-moi quels écrits pourront me profiter si je veux chaque jour grandir en sainteté. Ma sœur, quel beau désir que celui d'être sainte. Moi, je vous recommande une seule lecture. Lisez donc l'Évangile et toute l'Écriture. C'est de la sainte vie la pure partition. Croyez-moi, il n'y a pas plus de distinction entre la vie des saints et l'Évangile écrit qu'entre une hymne chantée et une hymne notée. J'ai relu patiemment vos lettres annotées et reprends point par point dans ce nouvel écrit les questions ayant trait à la sainte oraison. Comment, premièrement, entrer en l'oraison en laissant le fardeau et les peines du jour? Comment ouvrir ensuite notre cœur au Seigneur et puis renouveler notre vœu pour ce jour? J'estime avoir compris ces deux points, mon Seigneur. Ma fille, je vous aime, et sans méchanceté, je dois vous reprocher un peu de vanité. N'ayez pas tant de soin à construire vos lettres, car je ne goûte point les savants édifices. Imitez en cela notre Seigneur et Maître, dont les paroles étaient dénuées d'artifice. Je ne recherche pas des anges le langage. Écrivez prestement, simplement, sans embâge. Je suis un mauvais homme. Je suis plein de péchés. Comment pourrais-je offrir à Dieu mon vilain cœur? Faut-il, mon pauvre ami, si peu pour vous fâcher? Pourquoi refusez-vous de donner votre cœur? Donnez-le tel qu'il est, sans remettre à demain, fût-il de terre, de boue ou de la pire fange. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des anges. Ne craignez pas, mettez votre cœur en ses mains. Mais pour combien de temps? Dieu m'éprouve bien plus que je ne puis porter. J'ai si peur pour demain, je suis si tourmentée. Dieu, je ne savais pas qu'on puisse souffrir autant. Cher enfant, vous savez combien je prie pour vous. Et votre peine aussi m'afflige durement. Mais vous ne devez pas laisser votre tourment ainsi vous terrasser et l'emporter sur vous. Chaque jour a sa peine. Alors, n'ajoutez pas à celle d'aujourd'hui celle du lendemain. Car le Père éternel veille sur tous nos pas. Abandonnez-vous donc en ses divines mains. Monseigneur, je m'en vais donc quitter l'humble Savoie pour aller à la cour de France auprès du roi. Mes parents sont inquiets et je crois qu'ils en souffrent. Donnez-moi des conseils pour affronter ce gouffre. Mon fils, vous allez donc laisser les eaux tranquilles prendre la haute mer du monde et de la cour. Ce n'est pas forcément une contrée hostile pour les courages mâles. Sachez donc qu'à la cour, il y a deux écueils. Vanité, ambition. Et voici les remèdes. Fréquente communion et prière assidue.
Je recommande aussi à votre âme bien-née la douce courtoisie qui, n'offensant personne, oblige tout le monde. Mais gardez-vous des jeux, des lectures du monde et des dissipations qui flétrissent la cour. Pensez bien qu'ici-bas, nous cheminons toujours entre ciel et enfer, et que le dernier pas est le pas décisif. Or, nous ne savons pas quel sera le dernier. Faisons bien tous les autres. Dieu vous envoie là-bas pour être son apôtre. Voulez-vous dominer la haute mer du monde? Ne changez pas de voile, ni d'ancre, ni de mât. Placez en Jésus seul la confiance profonde qu'il réclame de vous. Pour le reste, adieu va. Monseigneur, je ne puis savoir si je lui plais. Je le prie chaque jour, je fais mes pénitences. Je me demande en vain et avec insistance si Dieu agrée mon cœur ou si je lui déplais. Qu'importe de savoir si votre cœur lui plaît. Regardez donc son cœur sur le bois crucifié. Ce divin cœur blessé qui connaît l'abandon, qui porte nos péchés. Ce grand cœur glorifié d'où jaillissent en torrent des fleuves de pardon. Demandez-vous plutôt si ce cœur-là vous plaît. Ce matin. Mais vous, Germain? J'ai bien tout recopié. Et vous savez la meilleure? J'ai failli me tromper, signez mon seigneur. La vie du Saint-Évêque se poursuivit quelques années et seule la grâce de Dieu lui permit de soutenir le rythme de ses activités. Correspondances abondantes, écrits spirituels et théologiques, visites des monastères de ses sœurs, soins des pauvres. Et par-dessus tout cela, la prière. Une prière de plus en plus fervente, de plus en plus aimante, de plus en plus amoureuse de l'amour de Dieu. L'épuisement eut bientôt raison de François. Eut-il un pressentiment de sa fin prochaine? C'est possible. Alors qu'il logeait dans une maison de jardinier, jouxtant un des monastères de la Visitation, quelques personnalités des villes voisines vinrent lui proposer un logement plus confortable et plus digne de son rang. Mais il répondit qu'il se trouvait bien dans cette mansarde et qu'il lui plairait de mourir dans cette pauvreté. Quelques semaines plus tard, c'est là qu'il mourut, entouré de ses sœurs, qu'il appelait affectueusement ses filles, sur un lit de fortune, dans une pauvre maisonnette de jardinier. C'est là que le divin jardinier décida de recueillir le dernier soupir de cet homme de bien, qui voulait tout faire par amour. Thank you.
Voici donc de l'encre et du papier. Merci, ma chère fille. Excusez-moi de ne pas me lever. Je ne tiens plus sur pied. Êtes-vous mal? Oh non. Je suis vieux et usé. Mais je vois clair encore. Que voulez-vous me dire? Eh bien, je vous supplie de bien vouloir écrire ici quelques conseils pour croître en la vertu. Ce serait pour mes sœurs et moi. Quelle vertu? Celle que vous voudrez. Je n'en sais qu'une seule. Humilité. 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 Monseigneur, qu'avez-vous? Il faut vous aliter. Je vais chercher quelqu'un. Je ne puis toute seule. Appliquez-lui ceci. Ah! Il revient à lui! Monseigneur, souffrez-vous? De la tête, mon fils! Prenez de l'eau! Merci. Tenez-moi. Je ne comprends pas bien. Vous voulez que je vous donne l'extrême onction? Prenez tout ce qu'il faut. Seigneur, prenez ma vie aujourd'hui, s'il le faut. Quand il y aurait 100 ou 1000 religions, je n'en estime point de bonne autre que celle de l'Église romaine. La seule religion, la seule véritable, vraiment universelle. En elle, et elle seule, je veux vivre et mourir. Une hémorragie. Mais peut-il en guérir? Si on brûle, peut-être. Mais c'est pénible et lent. Voulez-vous, monseigneur, qu'on applique un cautère? Que le médecin fasse tout ce qui peut lui plaire. Assistez-moi, messieurs, car cela nécessite de tenir le patient.
Sainte Vierge Marie. Ô Marie, ô ma mère. Iam ad esperasit et inclinata est dies. Jésus, Marie. Par le grand archer d'Orion et par le char du Septentrion, sous le miroir de Cassiopée, reçoivent d'ici-bas l'acclamation d'un simple élément, la création. Que serais-tu, ô nuit, sans tes feux célestes? Sans l'éclat de la lune, qu'est-ce qu'il te reste? Les saints, comme ces feux illuminant la nuit, guident la Sainte Église hier et aujourd'hui. Là-haut, constellation, ici, flamme ardente. Là-haut, triomphante, ici-bas, combattante. François s'en est allé auprès de Dieu et ajoute sa voix au chant glorieux devant la face de l'Éternel. Ô chant profond, divin, solennel, ô chant inouï des saints des anges, ô sainte et mystique louange, Saint François, priez pour nous et intercédez pour nous. Mes amis, écoutez encore un peu la voix du Saint de Savoie, qui nous a quittés pour la lumière et pour l'amour, pour le Père, pour le jour de Dieu qui vient. Dieu vient. Ô Dieu, si nous le voyons tel qu'il est, nous mourions d'amour pour lui. Regardez toujours Dieu en votre cœur et votre cœur en Dieu. Le secret des secrets en l'oraison, c'est de suivre les appels intérieurs, avec simplicité de cœur. Ô paix du cœur humain, on ne te trouve qu'en la gloire et en la croix de Jésus-Christ. La vraie paix ne consiste pas à ne point combattre, mais à vaincre. Tout notre bonheur consiste en la persévérance. Quand nous tombons, il faut tout perdre, plutôt que le courage, l'espérance et la résolution. Nos misères et nos faiblesses ne doivent pas nous étonner. Dieu en a vu bien d'autres. Sa miséricorde ne rejette pas les misérables, mais s'exerce à leur faire du bien. Nous sommes tous malades. La Sainte Église est un hôpital dans lequel il y a quantité de malades de diverses maladies. Et notre Sauveur est notre médecin. Dites à votre cœur, nous avons fait un faux pas. Allons maintenant tout bellement et prenons garde à nous. Et toutes les fois que vous retombez, faites de même. Faites comme les petits enfants. Tant qu'ils sentent leur mère qui les tient par la manche, ils vont tardiment et courent tout autour et ne s'étonnent point des petites chutes que la faiblesse de leurs jambes leur font faire. Il faut toujours recommencer et recommencer de bon cœur. Il nous faut avoir patience avec tout le monde et premièrement avec nous-mêmes. Pour le régime des âmes, il faut une tasse de science, un baril de prudence et un océan de patience. Il ne faut pas seulement avoir la parole douce à l'endroit du prochain, mais encore tout l'intérieur de notre âme. Le bruit ne fait pas de bien. Et le bien ne fait pas de bruit. Le chemin par lequel je dois suivre ma vocation n'est pas extraordinaire. Douce, paisible et forte humilité.
est très humble, forte et paisible douceur. Celui qui est doux n'offense personne, supporte volontiers. Le doux ne se trouble jamais, entend toutes les paroles avec humilité et traite son prochain avec grande douceur et charité. Faisons trois choses et nous aurons la paix. Ayons une intention bien pure, faisons le peu que nous pourrons et laissons à Dieu le soin du reste. Quel bonheur d'être là seul à seul avec Dieu, sans que personne ne sache ce qui se passe entre Dieu et le cœur. Réveillez souvent en vous l'esprit de joie et de douceur. Croyez que c'est le vrai esprit de la dévotion. L'amour ne lâche qu'en la paix. Dieu est le Dieu de la joie. Alléluia.